Da Fresh Morning. Da Fresh Morning. Arnaud Scopes, le manager du Luxor Lounge, est avec nous ce matin. Arnaud, bonjour. Bonjour Da Fresh Morning. Comment tu vas? Bonjour Gina, ça fait toujours plaisir d'être avec vous ce matin. Il y a la forme. Ouais, il y a la forme un peu enrhumée avec cette pluie d'hier soir. Gina dit qu'elle avait faim, elle était venue les bras ballants. Gina, dis-lui ce que tu voulais manger. Okay. Je voulais manger une salade avec de la laitue, des tomates cerises, de fruits, des œufs, et du thon avec une petite vinaigrette allégée. Tu plaises à mon père, tu plaises à mon père. Sans le pain. Et on trouve cette salade dans l'océan. Bah partout dans Libreville. Ah bon? Bah oui. Donc, salade, laitue. Laitue, thon, tomate, œuf, et puis une petite vinaigrette sans le pain. Fruits. Sans le pain. Tu ne veux pas une salade de fruits? Salade de fruits, jolie, jolie. Et respecter la salle des autres ici. Plaise à mon père. Plaise à la sortie, je peux aller avec. Est-ce qu'on peut respecter la fin des autres ici, d'après? Oui, alors, Scopes, on parle du 9e anniversaire d'Urban FM. Exactement. Est-ce que le Luxor peut contenir? Pourquoi c'est toi qui viens parler du 9e anniversaire d'Urban FM? Mais parce que je suis le manager du Luxor et c'est le Luxor qui accueille Urban FM pour cette soirée. Ah, d'accord. Est-ce que le Luxor peut contenir la masse populaire qui va se déplacer ce samedi? Je te promets que le Luxor va contenir la masse populaire qui va se déplacer ce samedi pour l'anniversaire du Man FM. On est prêt déjà à accueillir cette masse. Il y a des réservations pour Il y a des réservations depuis que j'ai lancé, depuis que vous avez lancé les affiches sur tous les réseaux sociaux. J'en ai déjà une bonne partie de la salle qui est déjà réservée, avec des gros salons en plus. C'est même pas des petits salons, des gros salons. Seigneur Jésus. Ouais. Mais qui réserve les gros salons là? Jesus. C'est d'abord quoi les gros salons? Parce que là on ne comprend pas. Les gros salons, c'est à partir de 15 places. D'accord. Oh. Et donc, tu as combien de gros salons? Ils ont beaucoup de gros salons. Hein. J'en ai 4. Mm-hmm. Ouais, j'en ai 4. J'en ai 3 principalement, mais il y a un quatrième qui donc peut se faire. Donc, nous, on fait notre anniversaire. Toi, tu dis tes trucs. Je te promets. Dans l'organisation de cet anniversaire, déjà que Urban FM a sa grosse partie dans la salle. Hein, d'accord, tu nous as quand même réservé un bel espace. Un bon périmètre. Déjà être serré, Fallon. Mais il faut qu'on serré. Ben oui, parce qu'on sera serré des autres. Parce qu'on sera serré d'auditeurs, bien sûr. Moi, d'après, il aime la chaleur. On aime la chaleur. Tôt. On aime la chaleur. Là-bas, il fait chaud. Non. Au Luxor, il ne fait pas chaud. Au Luxor, il va faire chaud, non, justement. Non, bizarrement, au Luxor, chez nous, effectivement, il ne fait jamais chaud. Ça caille là-bas. Ouais, mais. Deux fois, même les clients se plaignent. Exactement, on a 5 gros splits. Bon, est-ce qu'on peut parler des offres de l'anniversaire, les offres que le Luxor met en place pour les personnes qui voudront venir participer ou prendre part à notre anniversaire? Les offres, cette fois-ci, sont les offres classiques. Hein. C'est les réservations selon les places. Par exemple, 10 places, c'est à partir de 100 000 francs. Mm-hmm. 15 places, 150 000 francs. 20 places et plus, 250 000. Et en dessous de 10 places, c'est 50 000 francs. Quand les gens prennent ces places-là, est-ce qu'il y a des boissons sur leur table? Exactement. Le Luxor n'impose pas. La particularité du Luxor Lounge, c'est là où les gens aiment bien venir au Luxor. D'abord, il y a l'accueil qui est là. C'est que moi, le manager, je n'impose pas la boisson. C'est-à-dire que dans le package des 100 000 francs, la boisson est au choix. Donc, je peux m'asseoir et puis je veux du champagne. Ouais, et effectivement, tu peux dire que bon, et Arnaud, j'ai 100 000, 10 personnes, place, j'ai pris du champagne, 60 000 francs, il te reste 40 000 francs. Dès 40 000 francs, qu'est-ce que tu proposes? Il y a des seaux de bière, tu prends des régabes, des bières importées, des bières locales, tout ça. Et ça, tu fais ton package. Mais après, s'il y a un excédent, il y a un excédent. Il y a la Timba Beer. Il y a toujours la Timba Beer. La G27. Il y a la Timba Beer, toujours bien servie, bien glacée en pression. La G27 Vice Beer. Toutes ces bières seront là. Pour l'anniversaire. Le Kegerator. Toujours le Kegerator, les génètes, toujours branchés. J'aime le mot, hein. Le Kegerator. Si je commande un jour la Timba Beer, je serais trop fier d'avoir le Kegerator. Est-ce que vous avez. Non, vous, pour les serveuses, il n'y a pas de problème. Vous travaillez avec des hommes, donc c'est dynamique, en fait. Ouais, est-ce que l'espace piscine sera quand même ouvert
parce que vu le nombre de personnes qu'il y aura, je pense qu'il y a ceux qui seront à l'intérieur, ceux qui seront à l'extérieur. Il y aura beaucoup de monde. Hein. Les messages j'imagine. Que je reçois là. Oui, exactement. De la mort qui tue. Exactement. Déjà, merci que tu reçoives les messages pour le Luxor. Je te remercie énormément. L'espace piscine sera aménagé. D'accord, Scops est avec nous ce matin sur les 185. Ça va être la soirée de la mort qui tue. Les gars de la sécurité vont imposer de respecter le dress code. Mais non, là je pense que le white, le blanc, et merci encore pour le dress code, c'est vraiment la couleur universelle. Il y a Kiabi qui est là, il y a les t-shirts blancs là-bas, il y a des culottes blanches, c'est pas cher. Il y a Mutuki aussi, il y a des frangins qui vendent des trucs blancs. Il faudrait que les Gabonais respectent un peu les dress codes dans les soirées. Là, c'est du blanc. Le blanc, c'est pas compliqué. Même dès ce soir, vous allez déjà dans les magasins de vos frangins, de n'importe qui, vous prenez du blanc. Et là, je serai exigeant. Le blanc doit être respecté. N'empêche que ce vendredi, il y a la soirée old school. Soirée old school particulière ou bien une soirée old school classique? C'est une soirée old school classique. C'est d'accord, ce il n'y aura rien au programme. C'est la soirée old school particulière. C'est la soirée avant... La soirée de la mort qui tue, donc forcément. Elle dit la soirée de la mort qui tue. Ça doit être la soirée. La mort qui tue. Oui, c'est la soirée de la mort qui tue. J'ai des Kinda. J'ai des Kinda, voilà. Il y a donc, le karaoké ce soir au Luxor. Au karaoké ce soir au Luxor. Est-ce que le Luxor va ajouter des salons pour l'anniversaire d'Urban FM? Vous allez prendre des salons en renfort? Oui, on va prendre des salons en renfort, surtout des salons en hauteur. Mm-hmm. Et on va acheter des places pour ceux qui prendront des salons et qui n'auront pas cette place. On va acheter des poufles sur des salons et on va acheter des salons en hauteur. D'accord. Ouais. Okay, c'est cool. Aujourd'hui, c'est le karaoké effectivement qui commence à 17h avec Curtis. Master karaoké. Et on attend toujours nos clients favoris qui préfèrent être là jeudi. Il n'y a pas de souci. Ces clients sont toujours les bienvenus. D'accord. Merci Scops qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM. La station urbaine rappelait donc qu'il était là pour nous parler du 9e anniversaire sur le plan du Luxor. Comment ils se sont organisés? Les boissons seront glacées? Les boissons seront. Effectivement, les boissons seront glacées. Non, là, oui, c'est entre nous. Merci Scops avec nous ce matin sur les 104.5. Ok, merci à vous Urban FM, Gina, Fallon, Da Freshman. Et puis je vous attends, vous on tous. Se retrouve, samedi. Tous les Libreville-lois, tous ceux qui passent par Libreville, samedi 7 au Luxor Lunch à partir de 22h à la grande soirée d'anniversaire, le 9e anniversaire du Man FM. Merci. Merci. Stop Fresh Morning.